Annulez ce qui vous empêche de prospérer. Prière de protection. Bienvenue au chemin divin. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez jamais une autre prière. Laisse ton like. Laissez votre commentaire, votre avis est très important. Si vous avez l'impression que votre vie est au point mort, vous vous sentez découragé et impuissant. 17 puissantes prières. Entrez en contact avec le divin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans l'humilité de nos cœurs, nous venons à toi avec une prière sincère, implorant ta grâce divine pour annuler tout ce qui entrave notre prospérité. Au nom de la puissance de ton amour infini, nous te prions de lever tous les obstacles, toutes les entraves, et de dissoudre toutes les énergies négatives qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Nous te demandons, ô Seigneur, de défaire les liens qui nous retiennent dans la stagnation, de briser les chaînes de l'adversité et de nous accorder la liberté de prospérer dans tous les aspects de notre vie. Que ton éclatant pouvoir de guérison élimine toute malédiction, tout maléfice et toute influence malveillante qui tente de s'opposer à notre chemin vers le succès. Accorde-nous, ô Seigneur, ta protection céleste alors que nous avançons sur notre route vers l'abondance et la prospérité. Que ton manteau de lumière nous entoure, nous préservant des forces obscures, des épreuves et des énergies néfastes. Puissions-nous être enveloppés dans la chaleur réconfortante de ta bienveillance, sachant que tu es notre guide et notre protecteur fidèle. Que cette prière soit une invocation de ta miséricorde, ô Seigneur, afin que tous ceux qui la prononcent soient délivrés des entraves qui limitent leur croissance et leur succès. Que ta grâce abondante remplisse nos vies de bénédictions et d'opportunités, nous permettant de prospérer selon ta volonté divine. Amen. Seigneur Jésus, notre berger bien-aimé, nous te remettons humblement nos vies et nos aspirations, reconnaissant que tu es le chemin, la vérité et la vie. En ce moment sacré, nous te prions de prendre nos mains et de guider chacun de nos pas sur le chemin de la prospérité que tu as tracé pour nous. Seigneur Jésus, toi qui as le pouvoir de calmer les tempêtes et de guérir les maladies, nous te supplions de dissiper toute anxiété, tout doute et toute peur qui pourrait assombrir notre foi en ton plan divin. Que la lumière de ton amour inonde nos cœurs, illuminant notre chemin et dissipant toute obscurité qui pourrait nous éloigner de ton dessein parfait. Dans ta grâce infinie, ô Jésus, nous te prions de renforcer notre foi et notre confiance en toi, afin que nous puissions persévérer dans la confiance même face aux défis qui se dressent devant nous. Que ton Esprit Saint soit notre guide constant, nous inspirant, nous fortifiant et nous rappelant que, avec toi, rien n'est impossible. Seigneur Jésus, accorde-nous la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons changer, le courage de changer ce que nous pouvons, et la sagesse de discerner la différence. Que notre prospérité soit enracinée dans l'alignement avec ta volonté divine, et que nous soyons des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous déposons cette prière entre tes mains bienveillantes, confiant que tu entendras nos supplications et que tu répondras selon ta volonté parfaite. Amen. Ange du Seigneur, messager céleste de la grâce divine, nous nous tournons vers vous avec humilité et confiance, implorant votre protection et votre guidance dans nos vies. Vous qui êtes les gardiens des desseins divins, nous vous prions de déployer vos ailes puissantes autour de nous, formant un rempart contre les influences négatives et les épreuves qui pourraient assaillir notre chemin. Ô ange du Seigneur, vous qui êtes les instruments de la volonté divine, nous vous demandons de nous entourer de votre lumière céleste, dissipant les ténèbres et éloignant toute force malveillante qui chercherait à nous égarer. Accordez-nous la grâce de ressentir votre présence réconfortante, nous rappelant constamment que nous ne sommes jamais seuls sur ce parcours terrestre. Ange du Seigneur, nous vous prions de répandre sur nous votre inspiration divine, ouvrant nos esprits et nos cœurs à la sagesse céleste,
Que vos douces voix résonnent en nous, nous guidant dans nos choix et nos actions. Afin que chaque pas que nous faisons soit en harmonie avec la volonté du Tout-Puissant. Que vos ailes protectrices nous abritent des tempêtes de la vie. Nous préservant des dangers visibles et invisibles. Inspirez-nous, ô ange du Seigneur, à suivre le chemin de la vertu, de l'amour et de la compassion, afin que notre existence sur cette terre puisse être une offrande agréable aux yeux de Dieu. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, nous faisons appel à vous. Ange du Seigneur, pour qu'avec votre intercession divine, nous soyons protégés, guidés et inspirés tout au long de notre voyage terrestre. Que votre présence céleste enveloppe nos vies de paix, de joie et de bénédiction. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Chers amis du chemin divin, c'est avec une profonde gratitude que je me sépare de vous aujourd'hui. Je vous invite cordialement à vous abonner à notre chaîne, à appuyer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a touché votre cœur, et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien et votre engagement sont précieux pour notre communauté. Et nous sommes reconnaissants de partager ce chemin spirituel avec chacun de vous. Restez connectés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos remplies d'inspiration, de prières et de réflexions sacrées. Que la lumière divine vous accompagne tout au long de votre parcours. Et nous sommes impatients de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Que la paix et la bénédiction du chemin divin soient toujours avec vous. À bientôt, chers amis.